Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 1B du CRPE 2015, groupement 1. Voici l'énoncé. Partie B. Utilisation de la formule de Pick sur un exemple. Question 1. Appliquez cette formule au polygone ABCDEF de la figure 1 et vérifiez que l'on retrouve bien son aire. Question 2. Propriété d'additivité des aires. Appliquez la formule de Pick aux deux polygones de Pick ABCDEF et DEF de la figure 1. Vérifiez que la somme des résultats obtenus est égale au résultat trouvé à la question B1. Alors, la formule de Pick, je la rappelle ici. Donc la formule de Pick, c'est l'aire est égale à i plus b sur 2 moins 1. Donc ici, l'aire de A, B, C, D, E, F est égal à, donc on va calculer I, A, B, C, D, E, F et B de A, B, C, D, E, F. Alors, I, on va compter ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Donc I est égal à 37. Alors maintenant, 1, donc là on va compter les points du bord. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, point, donc ici ça va être 23. Donc F, B de ABCDEF, la 23. Donc ainsi, l'aire de ABCDEF est égal à 37 plus 23 divisé par 2, moins 1. Donc ici, 37 plus, donc, 11,5, 23 divisé par 2 c'est 11,5 moins 1. Donc ici 48,5 moins 1 est égal à 47,5 unités d'air. Donc on retrouve bien l'aire du polygone ABCDEF calculé dans la partie A. Alors maintenant on va appliquer la formule au polygone ABCDF et DEF. Voilà, donc A, B, C, D, F et D, F, E. Alors, on va vérifier que la somme, on a bien la somme, donc on va calculer donc I, A, B, C, D, F, B, A, B, C, D, F, et I, D, E, F, B, D, E, F. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc 27. Donc là, le bord de A, B, C, D, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. On va trouver ici 18. Alors IDEF, ça va être plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc B égale à 15. L'air de A, B, C, D, F est égal à 27 plus 18 sur 2, moins 1. 27 plus 9, moins 1. Donc ici, 36 moins 1, 35. L'aire de D, E, F, donc 6 plus 15 divisé par 2, moins 1. 6 plus 7,5 moins 1. Donc ici 13,5 moins 1, 12,5.
Ainsi, l'aire de A, B, C, D, E, F est égal à A. Donc c'est égal à l'aire de A, B, C, D, F plus l'aire de DEF. Donc on a bien 35 plus 12,5, 47,5 unités d'air. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.